Alors, le système 3 en demi-position, c'est-à-dire en démarrant avec la main reculée. Alors, on va le faire sur la corde de là, donc ça fait un si bémol. Et donc, dans le système 3, on a 3 4 collés. Et donc, ça fait la, si bémol, do, ré, mi bémol sur la corde de là. Alors, je vais l'enchaîner à 60 à la noire en ronde. 3, 4. Plusieurs fois, ça permet de jouer en même temps ou de jouer en canon avec en partant deux notes après, donc à la tierce ou trois notes après, ça fait à la quarte. Et puis j'enchaîne pas, mais quand vous le travaillez tout seul, vous pouvez très bien enchaîner une fois que vous avez terminé vos derniers là de ronde, vous partez directement sur les blanches. Là, je sépare pour justement pouvoir jouer en canon. Alors maintenant, blanche, liée par deux, toujours à 60 à la noire, 3, 4. Par 4, 3, 4. Maintenant lié par 8, donc on croche. Alors attention à bien répartir l'archer, viser le quatrième doigt au milieu de l'archer. 3, 4. Maintenant par 16, donc en double croche, et là c'est la corde à vide qui va arriver au milieu de l'archet. Bon exercice à faire aussi pour avoir une bonne articulation à gauche, c'est de jouer sans archer ni pizz, juste la main gauche, faire les petits marteaux. En faisant attention à ce que les doigts ne nous échappent pas, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop lents, souvent c'est trop lent en montant, puis hop, ils nous échappent en les enlevant, en les retirant. Il faut vraiment que ce soit régulier comme si on jouait. Faut les retenir en fait, et les poser avec une certaine énergie, et les lever avec une certaine énergie. Qu'on l'entende, le son. Voilà, alors maintenant je vais refaire le même système, le même moule, mais sur la corde de sol en petit détaché. Donc sur la corde de sol, on va avoir sol, la bémol, si bémol, do et ré bémol. Voilà, et toujours à 60 à la noire. 3, 4.
gauche, pas trop non plus, hein, pas lever l'épaule, mais juste le coude un peu plus haut, et un peu plus rentré à gauche, pardon, et un peu plus haut à droite. Maintenant, des triolets par 3. 3, 4. Que les deux mains soient bien synchro, souvent on a en levant les doigts sont un peu mous, donc faut l'anticiper pour pas qu'on essaie que ce soit vraiment net. Voilà pour le système.